c'est comme si que ça nous choisir par Dieu pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Puisqu'on plusieurs versets, Nouveau Testament, Ancien Testament, Isaïe 41, Israël, mon serviteur que j'ai choisi, choisi pour une serviteur de Dieu, choisir pour être à son service, choisir. Bien qu'on ait quitté Dieu l'appel pour capable de servir lui. Mais c'est marqué bon Dieu qui choisit. Bon Dieu qui choisit, gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous pouvons la Bible, nous serons Deutéronome chapitre 7, nous pouvons Deutéronome chapitre 10 maintenant. Deutéronome chapitre 10. Et seulement, laisse-moi quelque chose sur le titre avant. Titre. Il y a un titre là. Oui. Qui est marqué là? Non, le second là. Le suivant là. Qui est marqué? La protection et l'amour de Dieu pour Israël, source de crainte et d'obéissance. Dieu support qui vient faire cette protection et ce l'amour pour le peuple d'Israël, en même temps pour l'Église. Pour moi bien là. Dieu support, il n'y a pas qui bon Dieu fait. Mais il n'y a pas qui nous vient faire. Nous la faire nous pas, nous. Bon, on ne sait pas qu'à faire nous pas dans notre place. Dans notre place, pas qu'à agir. Nous ne pouvons pas rester dans la place bon Dieu, bon Dieu pas rester dans une place. Alors, écoute-moi bien, ça titre là, mais il y a une pensée là-dedans. Quoi, beaucoup lire, beaucoup. Verset 14, pour pas lire, la première verset 14. La protection, parce que Dieu dit, c'est le titre là même. La protection et l'amour de Dieu pour Israël. Et là, on met l'église tout. Qui peut vous faire une famille? Il protège son peuple et il manifeste l'amour pour son peuple. Mais c'est le peuple, qui est le peuple là, qui est source de crainte. Qui est la crainte? Respectueuse. Jésus. Israël, c'est une source de crainte respectueuse et d'obéissance. Amen. Qui nous pour nous? Respecter bon Dieu, oui. Marche dans sa parole, suivre son ciment, oui. Marche dans l'humilité, la soumission. Amen. Là, la bon Dieu fait ça qui vient faire. Oui. Notre cas, comprends moi là. Oui. Il n'a pas de porte, nous ne le pas. Oui, par la grâce de Dieu, oui, la grâce de Dieu, oui. Mais, il y a un mais là-dedans. La grâce de Dieu, lui montrez-nous, d'après, quand nous lisons le titre, pour nous renoncer à quelque chose qui n'est pas bon. Parce que moi, je prends la grâce de Dieu, je me dis, normal ça. Oui, par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, il est lié avec l'obéissance. La grâce de Dieu, il est lié avec l'humilité. La grâce de Dieu liée avec soumission à la parole de Dieu. Non, je m'excuse moi là. La grâce de Dieu, prenez que ce soit lié avec la foi. C'est la foi qui dirige nous vers la grâce. Donc, la grâce de Dieu, mais ça ne va pas avec quoi. Non, qu'est-ce que ça ne va pas avec quoi en général là. Mais contre la grâce de mon Dieu, mais c'est maintenant autant de paroles là, ou pas avec quoi là-dedans. Ou être très dur, mais c'est la grâce de mon Dieu, pas pour manifester. Pourquoi il s'est 40, il dit, cependant, Dieu désire nous faire grâce. Mais ne pas qu'il m'a versé à bon. Cependant, Dieu désire nous faire grâce. Peut-être que nous avons fait un verset à même. Mais il y a un verset à bon. Il y a un verset qui est bon. Le nez, il y a un retour vers lui. Le bien renonce à une mauvaise chose. Non, il n'est pas vrai. Dieu est à son port pour le faire. Nous, nous port. Laissez-moi, c'est clair là. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. L'humilité précède la gloire. Non, il n'est pas vrai. Quand nous soumettons à Dieu, Dieu peut élever nous. Quand nous soumettons à Dieu, Dieu élève nous, ma famille. Autant convenable. Et là, nous allons résister le diable. Nous allons fuir. Alors, nous lisons ça, Deutéronome chapitre 10, nous lisons le verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 7 de nous. Où t'en goûte là-bas? Bah, ma tête, mon père lire, mon papa lire, il est là. Deutéronome chapitre, comment on a noté quelque part là? Deutéronome chapitre. Non, écoute-moi. Deutéronome chapitre 12. Nous ne pouvons pas oublier là. Nous ne pouvons pas oublier là. Deutéronome chapitre 12. Cette fois, les mensonges choisirent. Deutéronome chapitre 12. Si on peut écouter là. Oui. Faites manière qu'on peut écouter, ou pas faire mon lycée, ou pas baisser la tête, ou bien tourner. Faut être attentif là. Pierre dit reste garde de l'esprit en éveil. C'est dans l'éveil. Pas dormi, pas soupir là. Ou rate parole là. Parce que c'est toi qui nous veux dire, il concerne nous la vie de tous les jours là. Il concerne nous la vie de tous les jours. Moi, je prends une décision, moi, pour la grâce de mon Dieu, au nom de Jésus Christ. Je dis, Seigneur, ton appel plus que vainqueur. Mais moi, je ne peux pas refuser ma défaite.
Parce que bon Dieu, pas appelé moi pour gagner des fêtes, pour gagner des échecs, pour manger la honte dans des honneurs, pour manger la tête haute dans la gloire de mon Dieu. On décide ça, moi. Dans moi-même, on décide ça. On décide ça. On vient écouter tes paroles, on vient obéir à tes paroles, on vient tout mettre dans tes paroles. Alors, lui, il y a un verset 14. Sans ça, quand nous sommes dans une religion, nous sommes dans une religion, nous n'avons pas de bon Dieu. Mais avec le Seigneur. Bon Dieu, c'est mon papa. Jésus-Christ, c'est mon grand frère, le Seigneur, le Sauveur. J'ai rencontré sa bonté un jour. Le prophète dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, préparation. Là, dans le moment, beaucoup d'hommes de Dieu peuvent presque la perte du temps. C'est ma situation là. Mais on ne connaît pas. Je peux prendre beaucoup de versets la parole de Dieu. Je vais presque la fin des temps. Alors nous disons tout le temps God. Nous disons tout le temps qu'on m'a dit prêt. Et mon père éloigne sa parole. Non. N'importe qui c'est quoi. Moi dans le monde, mais pas appartenir au monde. Moi dans le monde, je me donne une chance, quand les membres au de moi, quand on pensait faire surface, je me que sa parole là, il permet tout gagner un miracle. Sa parole là, quand on va se faire, Satan casse comme tout, allez pas bien à ta peau. Et je me suis moi là, je me suis dit, quand lion est venu, il casse comme tout, il n'y a pas de bon ça, il y a des. Pas qu'à faire face à lion là. Même l'éléphant, lion pas peur, parce qu'il n'a pas connu ce qu'il a peur. Une personne là, ma famille, le lion ne recule dans le banc qui que ce soit. Mais s'il parle qu'il n'est pas avancé, là il peut comprendre une image chrétienne là. Parce que Robert Bertie dit à nous, le juste a de l'assurance comme un lion. Pourquoi on peut perdre si père contre le père, les rangs, père, les ors. C'est pas qu'il t'a intrigué. Père, vous respectez Bandimoun, pas perdre. La crainte de l'homme, il y a une pièce, ça veut dire. Vous respectez Bandimoun, mais vous ne pas perdre du monde là. Vous ne pas perdre qu'il peut dire, qu'il ne peut pas dire, qu'il l'autre peut dire. Pas qu'il parle le monde en dire quand il croit dans Jésus-Christ là. Pas que du monde n'arrête pas de moi. Quand on croit dans Jésus-Christ, beaucoup de paroles mauvaises, ça ne m'empêche pas de persévérer et mon corps aussi de persévérer par la grâce de mon Dieu. Alors, c'est moi qui, bon Dieu, dans mon équipe, je vous dis. Et dans le temps, il n'y a pas de temps. Faire pendant son ennui, il la paix. Amir, ton vestige est un poisson. Tu as une jolie dame bérie. Ça, tu peux rater ça là. Toi-même, ou bien ton madame qui a gâté. Gâté, coupe sur la joie. C'est toi qui t'as tiré. Elle fait un gagnement que passer sur la gauche, griller, avec sa pain fin. Mais là, ils n'ont pas moi ça. La gauche, poisson, monter où? Sur la gauche. C'est un bon gâteau ça. Mais non, elle est finie. Gratte ton poisson, tu nous nettoies. Pas fini, fais comique là, non, pas très comique là. Tu me gratte poisson là, et là, connais mon budget là. C'est toi qui t'as tiré. Tu fais gratte poisson coupé. Qui vient faire avant au camp de la caraille? Tu viens même du sel. Du sel. Poisson là, il est dans la mer. Poisson peine dans la mer, du l'eau salée. Mais pas besoin de mettre du sel. Non, besoin de mettre parce qu'il est fade. Qui est arrivé? Il peine laisse de l'eau salée pénétrer sur la guerre. Ou dans sa monde là, ou à quoi tu penses d'image? Parce que tu es négatif, mais tu donnes des choses dimanche. Ça vase d'eau là, que tu mets dans l'ange éternel, tu as la manne là-dedans. Il peine l'amour qui ne ramasse pas la tente, tu peines une boîte de poumon, tu peines un pôle plastique ça. C'est une vase d'eau. Fais une manière, le diable, papa, vous venez une poubelle. La poubelle qui est là. Et je vais vous la parole de Dieu là. Ta poisson là. Je vais mettre celle du bois. Mais il est né dans la mer. Il ne laisse pas de l'eau salée pénétrer. Ou dans sa monde là. Parce que non, il y a de mal. Négatif pénétrer ou l'intérieur. Protège ou l'intérieur, protège ou pro. Tu me dis dimanche. Remplis cet esprit, après revêtir de la position de cette. Rébêtir. Alors, mieux ça. Oui, de bien habitué au moins, papa, me casse le choqué, vous le rasez. Écoute-moi bien. Alors, suivez-moi dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 10, à partir verset 14. Nous l'avons plaigné, mais gros, il y a même mis un gars. Ça, la vie, ça. Ça parle, non, bien là-haut. Si vous fréquentez des gens là, ça va vite là-haut. Parce qu'il est contagieux, ça. C'est une chose qu'on a une recommandation. Transmettre, plaigné, gardez-le, mais là-haut, là, plaigné. Ça met dans le mot lamentation. Jérémie, tu l'as, mais pas seulement Jérémie plaignait, il a une promesse qu'il fait. Il fait une violence à lui-même. Dès quand je pense à ma misère, il se perd pour moi. Après, il dit non, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Je veux, mais cette volonté, une violence, bouloir, pour le mettre bouloir. Non, arrêtez de penser misère, qui sera empoisonnée. D'ailleurs, en anglais, quand on dit la lamentation de Jérémie, il dit wormwood. Wormwood, comment est-ce que. Non, ouais, qui est derrière les verres. Mais pas qu'on les verres du bon, qu'on bébé du bois.
Bébé dit bon, pas tout où. Ou l'aime pas tout le où. C'est moi qui m'en la coucher là. Pas le sinon, il y a un tout la vie ou l'âme. Laisse la parole de Dieu. Et moi, faut éviter quoi la parole là. Laisse la parole là. Parle ou l'âme. Reste ou l'âme. Rabaisse ou l'âme. Quand tu as tout à l'heure, on va là. De m'obéir à la parole de Dieu. Bon, tu sais qu'il y a là. Après qu'il me délivre, il dit. Zacharie, il est dans le chapitre 1er. Après qu'il me délivre. C'est une délivrance, après bon, t'es sérieux. Laisse-moi dire ça, quoi, le docteur, tu es moi. Pas dans mon message, ça, mais chaque fois, nous prions pour nous gagner une révélation de la place. Gédéon, pas être capable de délivrer le peuple, s'il n'est pas délivré de lui-même. Il y a un père, il capon, il peut cacher. Mais quoi, il n'est pas délivré les autres. Oui, délivré de lui-même. Il y a une conversation, bon, t'es là. Quoi, délivré, délivré, pas vrai, il peut comprendre la pensée là. Moïse, pas un esclave, lui. C'est prince d'Égypte. Bon, t'es pas capable d'être un esclave, pas délivré par l'esclave. Moïse, pas un esclave, ça s'en dit. Il sauvait, oui, pas un esclave, lui. Il grandit dans la maison de Pharaon. Il compte son papa, il compte tout. Là, à un moment donné, il dit, oui, pas vrai. Un esclave, pas qu'à dire, Jésus-Christ sans PC. Si quelqu'un qui a PC, pas qu'à délivrer ce quelqu'un qui a PC. Il sans PC, puis il a délivré ça. Et je suis capable de suivre moi, là. Pour que bon Dieu, quand ça vous êtes délivré ou pas quelque chose. Ça, c'est un autre message, mais vous pouvez l'apprendre, vous dire. Ben, c'est cadeau. Deutéronome chapitre 10, verset 14. Voici à l'éternel ton Dieu. Appartiennent les cieux et les cieux des cieux. La terre sera le renfer. À la propriété de la terre là. À la propriété, ça, la terre que nous pouvons vivre là, c'est bonté ça. C'est pas Satan. C'est la terre qui nous peut vivre là, là. Sa planète là. C'est bonté qui nous crée ça. La Bible dit nous, la terre appartient à Dieu. Là, il y a tout. Les autres bien sûr, nous vont voyager là, la terre. Nous vont voyager, nous. Nous vont pèlerins. Pierre pour dire ça, Paul aussi pour dire ça. Mais l'étranger sur la terre là. Vous pouvez faire l'étranger parce qu'il y a notre royaume qui pète à nous là. Nous dans ce monde là. Mais il y a notre royaume qui bon Dieu, qui crée. Il aime leur cité, qui va nous. Qui fait causer? Parce que le ciel aime tout. Répétez-moi là. D'accord, il y a Hébreu 11, qui commence à voir un petit peu, etc. Verset 15. C'est à tes pères seulement. Qui fait causer père? Il fait causer Abraham, Isaac et Jacob. Quand Moïse fait causer là, Deutéronome. C'est à tes pères seulement, que tu es attaché pour les aimer. Dis avec moi, attaché, aimé. Vous trouvez quand on attache, vous êtes content, lui? Non, si on attache, toi, bon Dieu. Vous êtes content, bon Dieu? Amen. Si bon Dieu attache nous sur l'amour, ben côté pour te protection sur l'amour, bon Dieu l'attache avec nous. Il a une selle avec lui. Et sur l'amour, manifeste nous la vie. Que tu es attaché pour les aimer. C'est que le peuple de Dieu. Et après eux, c'est que Israël là, mais c'est leur postérité, c'est pour ses descendants. Mais en Jésus-Christ, nous sommes descendants. Abraham, Isaac, Jacob, oui. Nous sommes descendants Israël. Nous ne connaissons pas de famille, nous sommes nés de nouveau. Je vais suivre moi là. Mais les communautés, c'est pas qui s'appelle là. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes choisis, nous sommes élus de Dieu. Nous connaissons qui était en Christ, ou identité. Nous tous le principe de l'identité là. Encore pour continuer pressé encore. Papa oublier qui vous était. Après eux, c'est leur postérité. Après, c'est vous qui l'a choisi. Après, vous dites c'est vous, c'est quoi moi là. C'est quoi descendant d'Abraham. Mais nous parlons de Galate, de nous sommes enfants d'Abraham, en Jésus-Christ. Pas seulement enfants, qui nous était après. Choisi après. Héritier de Dieu. Non. Tout le monde est qui te là. Madame Gaspol, côté la cour, qui pourrait hériter tous les enfants. Bonnes enfants. Mais nous avons un bon Dieu, nous héritons ça pour que c'est là. Mais nous avons dit comment hériter de Dieu. Nous avons dit comment choisir. Parce que dans la vie, pas tout le temps précisé. Mais dans la vie, je vois ma misère. Mais l'homme, sur ma nourriture, sur mes mythes, la même pression, il habite là. Mais quand il peut casser de la croix rouge. Mais la parole positive, la parole négative. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand on levait de la soie le matin, mais tous les mots en bas, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça nous fait la prière là. Hein? Non, tu m'as guéri là. On m'a dit que ma élu de prophète avec Galpé avant dimanche et Abel. Je préfère l'amour à la vie. Non, tu me fais la prière là. La question que tu n'as pas qu'à faire dans la vie. Et je peux suivre. Hein? Tu es d'accord avec moi? Et dans la prière, on n'a pas qu'à faire. Qui gagne une pression. On ne sait bien pas comment un événement. Là, la bouche à cause même. Je me dis que la langue pénale les yeux. Non, ça contrôle la langue là. Bébé sauvage. Et puis les prières, c'est une fois. Bébé, quoi ça parole de Dieu là? Bébé sauvage, pas dompté. Mais pourquoi, ça, pourquoi la langue n'a pas dompté? 15 messages, presque l'eau là.
Mais bien, on va une conversation, on va une etc. Mais quoi, mais quand vous continuez, vous continuez pour famille. Pas patient. C'est dans tes pères seulement que Dieu s'est attaché pour les aînés. Et après eux, c'est la postérité, c'est vous qui l'a choisi. Dis avec moi, bon Dieu, choisis moi. En Jésus-Christ, vous servez. Mais puis, écoute, ça me servit là. Mais nous, nous servir dans ce moment-là. Nous, 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 comment vous connaissez? Vous lire mot par mot, phrase par phrase. Dans Esaïe 41, ils causent tous les liens ensemble. Israël, que je sois, Israël, mon serviteur que je choisis. Alors, bon, Dieu choisit pour être son serviteur. Choisir pour servir le Seigneur. De toute façon, il a servi. Dieu prend ça de l'inquiète. Tu fais un besoin, vous pouvez servir bon Dieu là. Alors, un bicyclette qui tient, passe tes trois coups de brosse sur la cale. Mais vous pouvez servir bon Dieu là. Peut-être qu'il n'y a pas qu'à prendre son commission, à prendre son commission. Tout le monde des affaires. Moi, mon des affaires, ça, c'est ce que je veux dire là. Mon des affaires. L'église, l'église. En fait, tout ce qui est capable de faire dans l'œuvre de Dieu. Celle qui se, l'endroit qui peut l'assommer, là, ça, l'œuvre de Dieu. Fait qu'il se, selon Dieu, c'est moi. C'est vous qui l'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'a choisi, là, mais c'est 15 ans de famille. C'est vous qui l'a choisi dans tous les peuples. Jean 15, je te dis ça. Je me choisis parmi les nations, parmi les peuples. Vous connaissez ça, nous choisissons, Jean 15, verset 19, nous traitons. Avec des apôtres, chapitre 15, verset 14, Pierre répond sa parole là, il dit ça. Et je fais suivre là. Deutéronome, chapitre 14, et le vie. Deutéronome, chapitre 14, verset 2, bon Dieu, nous choisissons parmi les nations alentours. Et nous ne pas parmi les peuples, nous. Nous, quand bon Dieu, ça va dans le bois, nous sommes dans la montagne, nous sommes parmi tout le monde, la parole là, nous tous, nous. Moi, derrière comme toi, reste sur moi qui me convertis. Derrière comme toi, vous donne parole là, sans mot la vie. C'est vous qui l'a choisi. Dans toutes les peuples, je ne sais pas dire, c'est pas d'autres qui me choisissent, moi, c'est moi qui me choisis les autres. Dans c'est même dire, moi, on voit les autres en mission. Qui mission nous est dans nous? Donne la parole, annonce la parole, là, ben, dis-moi. Et qui est cette bandique? S'il vous plaît, qui est cette vous pouvez servir bon Dieu là? Il ne va pas servir au niveau matériel. Et vous connaissez quelqu'un dans les besoins, vous êtes capable de lui. Mais vous connaissez mes là, vous pouvez servir bon Dieu. Et vous connaissez le proverbe dit, quand vous avez quelqu'un, vous êtes prêt à l'éternel. Et quand vous prêtez, bon Dieu pourra nous avec son intérêt. Récompense. Oh bon Dieu, ça nous perdit. Tout le temps, nous ça. Et une petite parole qui tout le temps, bon Dieu, moi. Quand te donner, il n'a pas regretté. Personnellement, bon Dieu. Quand te donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il ne voit pas vrai. C'est pour ça qu'on est qui donner. Vous savez qu'on est qui donner. Non, mais j'ai une directive. Mon papa, mon maman, c'est moi, mon grand-père. Mon papa, mon maman, c'est racontement. Son papa, lui, mais mon grand-père, pas connu, moi. Quand il boit, il rentre contre lui. Si il a 16, il prend des 16 ans, madame, il s'est de côté là pour. Non, mon maman, raconte-moi ça. Quand il boit, il a 6. Il y a là-bas, tu connais. Mon grand-mère s'appelle Doka. Après, il s'appelle le Doïskam, quoi, enfin, ça. Tu connais. Quand il parle de cette histoire, il y a où il y a qui nous donne aussi. Donc si c'est, on dit, il a donné. Après, il y a une chose, il dit, tu connais la bombe dans la route, il dit, je paye la tasse. Il y a 6 tasses, il prend 3 tasses, il a donné. Il prend fourchette qu'il a donné, il donne costume. Après, quand il est défoulé. Tu as quoi ça, c'est ça? Moi, moi qui raconte moi ça. Mon papa, qui donne devant moi, il prend costume, il donne. C'est ma sa prophète qui a donné. Ça a 4 couleurs, sa prophète, bon, il n'a pas donné ça. Et pas tout ça, elle passe encore ton côté petit, prend sa prophète, mais elle dit, mets ça là-bas, que vous déformez. Monsieur Zanin, il aime là. Prends Kaba, mon maman, mettez Kaba, peut-être en bas, tout, mais soyez pas talon, tout. Mais quand vous vous connaissez pas mon Dieu, nous avons une vie de bon Dieu. Ils sont où papa, maman qui l'a. Donne un bon image aux enfants. Et tu vas prier, toi? Mais toi, papa, maman, tu peux prier, toi? Tu peux lire la Bible? Et vous faites cause de la parole de Dieu, là? Vous faites un côté qui fait rien. Vous encore tu mets pas chapeau, l'autre met souliers. Ben nous qui nous pouvons faire nous. Suivez-nous, nos grands frères Jésus-Christ. Non, je peux suivre moi, ma famille. Nous choisissons nous avons sur notre trace. Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur. Deux, dans chaque testament qu'il y a, circoncis la terre. Ben garçon mal, ben garçon, tu fais circoncision. Mais là, qui fait causer là? L'équerre. L'équerre, c'est la nouvelle naissance. Répétez-moi là, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne retirez plus votre cou. Mais n'a pas rétili cou, mais pas couvert. Mais pas soumettre, réservé.
Non, non, pas pour les abeilles révoltées, nous. Mais obéir à le Seigneur. Vous n'êtes qu'un sensé. Passe par une belle naissance. Verset 17. Quand l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Ça n'est pas un autre père. Quoi, le Dieu des dieux, ça n'est pas un Dieu là, ça. Vous connaissez ce qu'il dit, vous serez des dieux. Faut pas voir avec la rime de la caisse de côté, mais un Dieu, moi. Pas pour comprendre ça, lui. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Après, qu'il mettait le Dieu grand, faux. Et nous, bon Dieu faibli. Le Dieu grand, faux et terrible. Qui ne fait point acception de personne, mais peut-être pas faire préférence. Qui ne reçoit point de présent. Qui donne bon Dieu bouche. Mais attends, ce côté-là. Nous, offert le Seigneur, qu'est-ce que qui nous vient offert. Qui soit leur enfant, qui louent sa adoration, oui. Libre, pas vrai. Oui. Mais bon Dieu fait un travail, ben c'est Dieu qui dit. Qui fait droit à l'orphelin. C'est quoi Dieu, hein? Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Qui aime l'étranger. Après, qui mettait? Qui lui donne de la nourriture, des vêtements. Si vous êtes orphelin, orpheline, ou pour le Seigneur, ou un veuve, mais bon Dieu fait prendre au soin. Oui. Non, d'ailleurs, pourquoi, quelque part, dans somme 68, mon corps, défense les veuves. Protecteur de l'orphelin. Pas faire dominer avec l'orphelin, l'orpheline, vous êtes affaire au bon Dieu. Pas faire dominer avec l'orphelin. Et souvent, il y a des verbes dans la parole de Dieu. C'est à l'époque-là, parce que ça s'appelle comment on appelle ça, c'est la sécurité sociale, parce que c'est à l'époque-là. C'est un petit Dieu a voyé Élie, mais ça, le verbe de sa réputation-là. Est-ce que vous avez suivi Philippe là? Verset 19. Vous aimerez l'étranger quand vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Après, verset 20. Écoute-moi, verset 20. Tu craindras l'Éternel. Vous pouvez dire bien dans la crainte de Dieu, ma famille, respectez bon Dieu. Tu craindras bien ton Dieu. Tu le serviras. Mais ben qu'on choisit là-haut, verset 15 là. C'est vous qui l'a choisi, ben qu'on choisit pour servir. Tu le serviras. Tu t'attacheras à lui. Mais il dit, verset 15, bon Dieu, il attache avec nous. Compte en nous. Ben nous pas besoin d'attacher notre bon Dieu, compte en lui, ma famille. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. On peut la faire serment maintenant. Mais c'est maintenant qu'il faut nous faire au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit de bien, naturellement de bien. Parce que quand ça pourrait l'impact, ça doit être décalé au nom de Jésus-Christ. Non, mais là, tu as une partie, hein? C'est un flanc qui a décalé au nom de Jésus. Non, tu crois que vous pouvez mentir là? Non, mais vous ne connaissez pas où vous pouvez servir. Tu parles de moi ça. Ça, pas de la dire là. Laisse-nous y aller. Blâmer les sacs coupés, battre. Pasteur, allez, rendre mystère avec tes trois frères. Quoi, trois frères là? Exhorte-lui. Mais ça, tu as savé. Ça qui m'a dit là. Il était valable aujourd'hui là. Parole là, pas bien. Ça qui m'a dit. Il est valable aujourd'hui là. Puis écoutez tout, après, il dit, pasteur, pas tout le temps qui m'a battu. Pasteur, pas tout le temps qui m'a battu. Comme vous poussez par le Saint-Esprit qui m'a battu. Non, vous pouvez comme ça là. Parce qu'on ne peut pas battre, on ne peut pas faire les autres qui sont. On ne peut pas faire les autres qui sont en dehors, parole bon Dieu. Pas le Saint-Esprit qui va vous faire ça. Non, là, on peut prendre ça l'exemple là. On peut prendre ça l'exemple là. Mais bien, pour qu'il y ait une action qui va venir de Dieu. Pas encore une parole. Non, vous pouvez voir. Quand c'est là qu'on peut rire. On peut faire comique là, moi. On peut faire quelque chose qui est sérieux là. Nous rire sérieux. Nous prions de Seigneur, pas de message, pas de YouTube. Dans l'autre encore, quand tu gagnes là, quand ça qui gagne, par contre, qui s'apprécoute ça, qui sont capables d'encourager, fortifier, avertir, si vous êtes détourné de quelque chose qui n'est pas bon, parce que vous pouvez prier selon la parole de Dieu là. Mais prêcher selon la parole de Dieu, si quelqu'un qui gagne, par contre, mon dandier, un frère de moi en Suisse, un frère de moi connaît, un frère là-bas, il est en Suisse, il peut écouter nos messages, mon frère, sa nouvelle là, moi. Non, il ne peut pas, oui. Mais, nous ne pouvons pas faire ça pour donner de la gloire, nous. Laisse la parole là servir pour bénir qui gagne là. Encourager, fortifier et instruire selon la parole de Dieu. Bon, pas un si normalement que nous ne connaissons pas ce nom. Alors, prends verset bien la même. Tu le craindras, il y a ton Dieu. Tu le serviras. Nous pouvons la craindre, mais de la crainte respectueuse. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu joueras pour son nom. Il est ta gloire, verset 21. Il est ta gloire. Eh, vous reconnaissez bon Dieu, c'est de la gloire. Revêtir de la gloire de Dieu. C'est un petit bon Dieu, parti de la gloire, ça l'insfigue qui a dans les une coude là, qui met l'eau là. Quand on commet le péché, on la cachette. Nous tentons la voix, nous gagnons un père, nous la cachette. Mais ça après le péché. Vous pouvez c'est un commencement, la crainte est rentrée là, après l'amour. Mais Dieu n'a pas fait tout avec eux, mais ces animaux là. Mais vous y allez bien la cause animaux. Bien tous ces animaux là, bien ce disant là. Et le pasteur béni, tu veux une révélation là. Il dit, quand bon Dieu, il prend sa
la cause animaux là, en tout ça, ils ont voulu plus d'autres, ils sont la boule aux autres. Tu pas santé? Qui nous santé? Oh Jésus, le sang de ta croix me rappelle ma délivrance. Ce sang qui coule dès tes plaies, coule sur moi et me délivre. Et vous avez répondu à ministère ministère sans quantique là en bout, hein? Non, non, je te santé, nous sommes ensemble. Oui, oui. Les saints la coule nous. Les saints l'enveloppe nous. Ça dit encore dans nos âmes, dans nos caractères, dans nos mentalités, dans nos lassitudes, dans nos pensées. Et c'est purifier nos âmes, sanctifier nous la vie pour ça distant la même famille. Mettre la foi dans le sang de Christ, Romain dit à nous. Notre parole. Parfois, dans l'église, pas précis sur le sang. Elle peut donner le frère pour causer. Bon, bah, c'est le même ça. Je me suis dit que frère Philippe. Mais j'aime autant mon pasteur. Il ne faut pas vous dire que c'est ça. Vous avez une presse sur le sang, ni mentionné. Mais pentecôtistes, nous pentecôtistes, nous. La Bible qui est à nous racheter, justifier par le sang de Christ. Et je fais suivre moi la même famille. Tous les jours, vous servez le sang de Christ. Dans mon âme, pensée, dans tout nos âmes, purifier nos âmes là, dans même côté général, ça. Ma tâche avec bon Dieu, toute parole, mais il y a une seule avec lui. Si on parle de Romains, Corinthiens, chapitre 16, verset 17, mon conseil, nous vivons avec un seul esprit avec Dieu. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que des yeux ont vues. C'est toi qui nous trouvé, man là. C'est toi qui nous trouvé en Égypte. C'est même tout ce qui est un miracle qui bon Dieu fait là, man famille. Toutes sortes de miracles de prodiges, bon Dieu fait. Par la main de Moïse à Aaron. Et je fais suivre moi là. De nous, même bon Dieu, 40 bananes à boire la manne. C'est Dieu qui fait ce miracle là. Je suis tué par enflé, je suis tué par isé. Ce n'est pas l'homme qui nous contre toi, mais il y a une défaite. Le peuple de Dieu a une victoire. Ce premier victoire commence avec Amalek. Une série victoire. Malheureusement, nous ne sommes pas sûrs de nous voir dans le désert. Nous ne sommes pas mis ceux qui ne croient. Nous ne sommes pas mis ceux qui croient. Ça qui est bon Dieu, nous sommes même. Bon Dieu a le pouvoir, capacité, puissance pour réaliser ce bonne promesse. Celui qui fait la promesse est fidèle. Vous ne pouvez pas comprendre. Humainement, parlant, parfois, ne pas vous comprendre. Mais il y a une révélation. Bon Dieu, pas agir comme n'importe qui, c'est là, les bonnes familles. Non, bon Dieu, c'est une façon pour y agir. Vous pouvez avoir une volonté de Dieu. Vous pouvez être transmis avec votre parole, en votre présence. D'ailleurs, dans le calme de Deutéronome 12, Deutéronome 12, cette fois, il est mentionné, vous voyez qu'il y a un lieu qui nous choisit. Cette fois, il mentionne. Ça lui est là, mais qui lui nous condamne? Son présence. Tu peux moi là? Qui est plus bon que présence mon Dieu? Ça sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Nous avons ça monde là, nous. Voilà où le voisin a le bazar, non, mais non, si vous avez encore, qui vous mariez, vous femmes, si vous mariez, vous enfants. Non, il ne peut pas vrai. Pas négliger rien. Viens les temps. Dieu la son sagesse de nous les temps. Bon Dieu, choisit nous. Nous servis bon Dieu, nous attachons avec lui. Nous servissons nous, il aime nous la gloire, il aime nous bon Dieu. L'appel à l'autre personne qui peut être comparé à lui. Si vous avez 44, 45, 42, 43, moi j'en sais beaucoup. D'ailleurs, je ne peux noter là, même pas pour avoir dit tout aujourd'hui. Verset 22. Tes pères descendirent en Égypte. Rappelez-vous quand Joseph qui gouvernait l'Égypte, une rébellion lui-même en son frère, mon nom Joseph. Pendant qu'il choc, une fille pardonne lui, il y a une montagne, une fille pardonne lui. Après, je dis à ma famille, je suis tout venu, même Pharaon dit ça. Je dis à ma famille, viens en Égypte, il n'y a pas une meilleure place pour manquer dans l'année. Mais 70, pas 72 du monde, là il y a 70 là. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant, l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude, pareille aux étoiles des cieux. Je rappelle un peu longtemps, tu presses nos bonnes générations étoiles. Nos bonnes générations étoiles, Philippiens dit ça. Quand bon Dieu donne des images avec Abraham, je peux être nombreux comme la terre ou bien du sable. Après, il y a les étoiles dans le ciel. Nos bonnes générations, pas qu'à ce que la terre. Non, ça, bon Dieu donne un exemple. Ou non, grain de sable qu'à compter. Non, grain de sable qu'à compter, il donne d'autres multitudes. Mais seulement nous, bonnes générations étoiles. Daniel pour cause ça, Jésus-Christ pour cause ça. Nous pas appartenir à la terre, nous appartenir au royaume des cieux. Mais seulement nous avons la terre pour marcher. Nous allons vivre selon la même chose, allez voir, pas vrai. Vous comptez bien. Jésus-Christ avec moi, Daniel, la vie. Non, non, non. Est-ce que le père comprend, frère Philippe, là?
Choisir pour servir le Seigneur. À ta femme, ça bon Dieu là. Vous prenez l'exemple de la parole de Dieu, ouvrez la Bible avec des apôtres premiers. Il y a beaucoup d'exemples, mais premier, Seigneur, tu m'as bien dit, tu m'as bien dit. Dieu dit, voilà, prends ça. Après, Dieu te relève ton cause avec des apôtres. Quoi qu'il y ait beaucoup de choses, Dieu là. Avec des apôtres premiers. Nous pouvons dire, pour servir ses premiers, Jésus-Christ apparaît avec Jésus, il vient là, pendant 40 jours, par le Saint-Esprit, les anciens autres, le royaume de Dieu, etc. Nous lui apportons, quand Jésus-Christ s'est enlevé, ben tout lui l'a enlevé. Verset 11. Nous lui avons apporté verset 12. Nous avons apporté le verset 12. Donc, tout ce qui s'est enlevé, l'annonce pour l'autre exode, c'est ça, c'est là, il faut me parler, comme les autres, tout est enlevé. Reviendra de la même manière que la Bible à l'ancien. Mais nous, le verset 12, pour terminer l'eau là. Alors, ils retournaient à Jérusalem. Ils retournaient à Jérusalem. Si vous voulez lire que cela, même dans Actes des Apôtres, vous gagnez quotidiennement partie de Jérusalem. Non, il n'est pas vrai. Pas éloigné de Jérusalem, l'âme de recevoir la puissance de l'Esprit. Alors, lui, verset 12, ne pas laisser le temps perdu, je ne veux pas pour laisser le temps perdu, puis recevoir le Saint-Esprit, je suis né de nouveau, mais pas pour recevoir la puissance de l'Esprit. Il y a une différence là. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de Saba. Verset 13, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Ça me tient bien là. Ça me tient bien ça. Quand il fait arriver, il montait dans la chambre haute, il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Pas ça, Jude, frère, c'est celui-là, ça. Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Je te fais, madame, pamé. Persévérer dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère. Vous voyez, Marie ici, là. Marie, mère de Jésus, là, madame, pamé. Non, je vais être moi, là. Marie, mère de Jésus, là, pour ensemble aux autres, les disciples ont recevoir la puissance d'esprit, là. Oui. Les disciples parlent en langue, là. Et Marie, ça mène des personnes à adorer. Mm. Mais bien, je vais moi, là. Marie, ben, qui peut monter le permettre quand on lit quelque chose, il sera avec les femmes, ça, seulement, il peut mentionner Marie, mère de Jésus, là. Marie, mère de Jésus, là. Avec les frères de Jésus qui participent, pas de croire avant ça. Ben, le frère Jésus, pas de croire. Mais est-ce qu'on croit, vous autres, là? Non, vous autres quoi? Vous autres là? Vous êtes quoi? Vous là? D'ailleurs, quand on va lire Jacques, c'était un petit pasteur responsable de Jérusalem. Ça m'a dit que là, le ban, va se mettre dans l'autorité. Alors, verset 15. En ce jour-là, il y a une question qui vient faire à moi là. Qui ça connaît Judas Finmo? Ça vient remplacer? Dans tout département, n'importe qui, mis dans le monde, c'est un démissionné. C'est un ministre démissionné. Je vais mettre une autre place. Non, il n'est pas vrai. Mon travail là continue. Un point, évidemment, avec causer, mais il y a tout le monde qui fait prier l'eau là, prier, non, parce qu'il n'y a pas de bloquement, parce que le. Mais causer une longueur causer, mais il y a tout le monde qui arrive quand tu causes comme ça, au contraire, tu empêches-toi bénir. Prier l'eau là, cause avec les biens, après prier, pas causer avec tout le monde. Après, si tu vas me bloquement, il va loin. Je vais prêcher, etc. Mais il y a une longueur de contrat, prier l'eau là, j'ai eu ce pas dans le ministère pour trouver le bien. Ben, Louis Piton m'a oublié ça après 6 mois. Il y a un copain, il y a un qui est un homme. À peu près 500 personnes de Jésus apparaît. Les autres là parlent de côté. Paul vous dit aux Corinthiens, Jésus apparaît à plus de 500 frères à la fois. Tant que c'est que 500 frères à la fois. Mais nous pas tous ceux qui viennent là, qui disent que c'est à Jérusalem là. Après 120, mais il y a une question qu'ils ont fait là, qui est là. Ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé Judas. Et pas, bizarre, c'est bon Dieu qui choisit. Non, il n'est pas vrai. Nous pas de choisir pour servir. Mais c'est homme frère, il fallait que ça s'accomplisse. Ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Mais après ça, là, la bouche de David, c'est si vous avez connu le psaume 41, verset 10. Il fallait que ça accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Vous êtes en route de David pour inspirer par le Saint-Esprit, vous ben, le psaume, etc. Là, connaissez-vous, bon, on dit, pas tout psaume qui est inspiré. Il est inspiré dans la Bible, oui, tout esprit est inspiré. Mais c'est un moment qui tient là. Il demande dépression, je vais demander parole qui n'est pas bizarre. Ou pas imite seulement parole là-haut. Je peux suivre moi là? Parole là, tout est bizarre, il est inspiré de Dieu.
Fortifier ou affirmer ou corriger, etc. Mais elle n'a pas demandé à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça pour Jésus-Christ, ça. Il n'a pas dit à tout le grand matin, fais ça la prière là. Non, je suis d'accord avec moi. Elle a mal parole, elle n'a pas prononcé malédiction le monde du monde. Dans la Bible, elle a ça. Mais je ne pas précis, moi. Non, je suis à moi là. Quelqu'un n'a pas dit à ça, c'est une situation difficile, il peut faire quelque chose là. Nous ne pouvons pas mettre nos places. Quand nous voulons quelque chose de positif, nous. Ce qui ne sont pas bon, les gars sont au nom de Dieu. C'est au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont séjourné Jésus. Depuis l'Ancien Testament, il a révélé ça. Il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Cet homme, c'est pour Judas là, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le biais du corps et tous ses entrailles sont répandues. Qu'en est-il pas en dit? Vous connaissez ça? La chose était si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue à quel diamant. Tu prends l'enfant dans le temps, à celle de la Bible, de nous, peut-être qu'il ne faut pas qu'on ait le salaire du crime, il a acheté un terrain doux. C'est ça qu'il veut dire, parce que nous payons là. C'est à qui? Accès à qui? À qui? Il a acheté. Oh, l'argent crime là. Il a mal la cause de l'argent sale. Pas grand qui peut causer. Le ban de l'argent sale, l'autre, c'est pas qui ça fait. Non, il ne voulait pas voler. Attention. Par contre, ma faute, ben, fait malhonnête. Non, pas comment ça. Pas contre ce manque d'affaires. Bon Dieu, tout l'argent, pour faire qu'il soit honnête, bon Dieu, pour bénir moi. Parce que ce malhonnête, le nom de Dieu, il n'est pas glorifié. C'est à cause de vous que mon nom est blasphémé parmi les païens. Pas qu'il prend temps de ça. Il s'agit de la mission, à qui là ça, ça ne fait pas le temps de ça. Vous voulez mon bien une bénédiction pour les autres. Vous glorifiez bon Dieu dans vos pensées, dans vos paroles, dans mon action. Paul pour détailler ça, elle ne veut pas nous dire ça. Verset 20. Oh, il est écrit dans le livre des Sommes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Il y a fait d'autres choses là. Après, et qu'un autre l'habite, qu'un autre prenne sa sauce. Elle me semble qui un tel prend sa fonction. Judas par là, pour bien remplacer lui. Judas par là, bien remplacer lui. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, remarquez là, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Mais c'est quelqu'un qui l'a dit avant, la soirée qui gagne. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour, pas qu'à la veille fait venir, non, elle vient fait venir des jours là, beaucoup de ça pour ça, bien qu'elle tue des pierres avant. C'est peut-être moi là. Alors, je peux prier là, je connais tout ça qui gagne là. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Dès qu'on commence pas jusqu'à sa résurrection, qui gagne avec nous. La soirée qui gagne pour remplacer sa vie là. Verset 23, il y a des candidats là. Il en présentait à deux. Des candidats là. Joseph appelé Barsabas. Dis avec moi Barsabas. Dans la Bible, il y a Barnabas. Il y a Barsabas. Il y a Silas. Après, il y a Barabas aussi. Pourquoi on mélange pas qu'on écoute Dieu? Quand on écoute le message, ça qui en a fait, c'est pas qu'on est bien. Jésus, si tu rentres dans la maison de Simon Pierre, les mêmes femmes qui ne peuvent pas faire le solipier là. C'est pas Simon Pierre ça. Simon le lèpre, un autre qui gagne ça. Non, j'ai lié la Bible, bien. Pas Simon Pierre. Pas Simon Pierre ça. Simon le lèpre, un autre personnage. Un autre message, connaît, si tu me dis que tu es invité par elle. Pas connaît, ça mon famille, ou la Bible bien. Connaît, là, tu habites juste là-bas. Pas un dedans. Et ça, on pas une grande connaissance, mais c'est mort. Non, bien connaît. Daniel, tu dans pour les ordonnes. Mais tu as bon temps, moi. Mais tu as pas pour les ordonnes. Trois camarades Daniel, sinon la fosse au lion. Mais peut-être dans l'autre. Non, nous bien connaissons qui nous peut dire. Alors, présentez qui t'aime. Il en présente deux. Joseph appelé Barsabas. Barnabas, c'est l'autre, ça. Barnabas, c'est l'autre. Parce que Barnabas, c'est quoi là? Barabas. Non, vous posez une question. Qui vous choisir? Jésus ou bien Barabas? Hein? Parce que là, tu poses la question là. Qui vous choisir? C'est la misère libérée là. Non, du bien Barabas. Et comme si on pensait là, c'est une fête, sa fête. Qui fête c'était? La fête de Pâques. Si libère Barabbas. Tout le temps, bon Dieu rappelle, quand il y a une fête comme ça, là, il y a une fête là. Et il y a un démon spécial qui mort, c'est pour eux. Comme ça, il y a un restaurant. Là, il y a un démon qui est révolté. Et là, il y a un ça n'est pas tranquille. Il y a une fête là. Il y a un peu de la guerre. Là, il y a un blessé. L'autre, il y a un sable pour 10 bois. Comment dire? Vous pouvez dire ça, une révélation. Quand il y a une fête là, il y a un démon spécial qui fait des gens tombent dans la boisson, rouler en bas de la table là, par le roi de sable. Comment dire là? Il y a une soule, il y a une sable de la roi de sable. Et il y a un qui fait, il y
Il y a un gros pas que sympathie bien au lit 3 mois avant. Il y a plus l'autre réel. Il y a l'esprit mauvais, il y a des mots spéciaux quand il a fait. Tous les sangs, c'est sans mauvais net. Bon, Sébastien, le justice, mais Jude et Mathias, il y a 2 candidats pour remplacer Judas. Il y a Bon Sabas avec Mathias. Mais qui s'est choisi à la même famille? Non, qui s'est choisi pour remplacer Judas là? C'est pas connu que Sabas s'est choisi? Qui s'est fait ça soir là? Par bout! Mais pourquoi c'est même prier là? Mais même Dieu bon Dieu qui choisit? Mais si le même choisir, pas ça va prier là? Ben c'est le même cas. Je le dis absolument bien. Pour il fait cette prière là là. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, si vous pouvez écrire là, mettez acte des apôtres avec 15 verset 22. Pierre pour répondre sa parole là plus tard. Pierre pour répondre sa parole là plus tard quand il fait dans la conférence à Jérusalem. Bon Dieu qui connaît les cœurs. Ça connaît bon Dieu contre tous les cœurs. Pourquoi cacher que tu dis mon bon Dieu? Toi, lui, c'est plus qu'un rayon X. Ça s'appelle un rayon X, c'est un salut à faire. Scan, c'est pas qu'il a fait. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, qu'est-ce que tu mets là? Qui met après? Ça veut dire désigner. Montrer les doigts, trappe la main, amène les bancs. C'est un petit Moïse fait aujourd'hui. Désigne lequel de ces deux. Désigne lequel de ces deux. Toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Non, Pierre, tu vas choisir ça là. Afin qu'il est pas à ce ministère, un ministère, sa famille. Un ministère, un sacerdoce ça. Et à cet apostolat, un apôtre là, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Tu ne donnes un ministère, une mission, une affaire. Tu peux abandonner ou aller ou trahir Jésus, ou trahir mon Dieu, à cause de l'argent, c'est pas tout à fait. Le Satan rentre dans le cœur. Satan là, il parle de gens qui sont en dehors. Lui. Il fait qu'il parle dans l'église, ça même. Mais Judas, ça se démontre, ça lui a trouvé. Guéri malade, tout ça. Avant, ça se démontre, guéri malade, parce que le Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Habillé avec joie, mais Judas t'es pas aimé. Mais c'est pas une traite après la Bible. Le Satan va sur le cœur, mais il vient pas de ce non, 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 il fait abandonner sans trahir Jésus-Christ. Il tirait au sort. Elle me questionne l'autre fois que ça veut dire ça. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Matthias sort le mot Matthieu, qui veut dire cadeau de Dieu. Matthias sort le mot Matthieu, qui veut dire cadeau de Dieu. Après, Matthias, avec en hébreu, il y a Lévi. Il faut s'attacher à l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas d'évangile. Lévi, personne sur le bureau. Il dit, toi, suis-moi. Lévi, suis Jésus. Mais en fait, Lévi, quand il pose, c'est Matthieu. Tu veux dire, moi, là. Tu es servi, là. Lévi, attaché à l'Éternel. Matthieu, veut dire cadeau de Dieu. Alors, choisis Matthias. Mais me pose, comme si c'était bien longtemps, pose même question. Mathias. Mais qui t'arrive, ça, bon, ça basse, là. Mais bon, ça basse, parti, là. Allez, fais comme Dieu. Je vais choisir un qui vient, là. On te met mon frère Jean-Claude. À quoi sont les exemples? Mais depuis le commencement, moi là, moi. Mais ça, on a un kiken pour remplacer. Depuis le commencement, depuis le baptême, Jean, sa résurrection, lui là, témoin. Mais c'est là, des kiken, choisir, c'est pas les autres. Mais Mathias, c'est bon, ça basse. Mais bon, c'est lui, Mathias. Mais bon, ça basse là. Non, mais, pas mon son, bon, ça basse. Mais qui a vu bon, ça basse? Tu vas sentir frustré. Non, tu vas sentir frustré. Écoute-moi bien. Parce que pour là, tu sois dans là. Depuis création, moi là. Sa couleur, pas choisir moi. Mais qui fait choisir pour son candidat? Bon, ça basse. Mais il y a un but pour choisir lui. Sa couleur, bon Dieu, choisir Mathias. Mais pas sentir résisté. Non, humainement parlant. Pas sentir même frustré. Comment dire, la voix abandonne tout, aller là. Non, on fait cause humainement parlant là. Elle est arrivée, sa famille. Elle est arrivée, tu me l'as frustré. Sentir abandonné. Un fait préférence, pas de temps, on est sur là. Mais on veut connaître votre boss à basse là, mon termino là. Pas abandonné lui. Vous avez la Bible, mon termino là. Exemple, chapitre 15. Vous pouvez même verser avant là. Il est verset 14. Ça me fout, ça détaille ça. Dans mon message, je vous détaille tout le monde verset qui est là. Il est verset 14. Simon, là, il fait. Simon a raconté comment, ça fait prendre la parole. Comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Ou choisir du mieux d'elle. Ça me dit où Jésus-Christ dit ça 15, 19, Apocalypse 15, verset 14, Deutéronome dit ça. Parmi le peuple de ma nation, il choisit un peuple qui porte son nom. Est-ce que nous portons le nom de l'Éternel, nous, pour le nom de Jésus? Mais expliquez ça. Qui arrive à ça basse là? Est-ce qu'il peine choisir, lui, choisir Mathias?
Pourquoi sont-ils frustrés, abandonnés, l'abandon? Qu'est-ce bien là? C'est une fausse doctrine. C'est bizarre, Abou Bantiken à Antios. C'est la Bantiken qui a porté une fausse doctrine. Je ne pas assis à concis selon la loi de Moïse, je ne pas pour sauver. Maintenant, il y a une discussion avec Jean Paul, bon, la basse, etc. Mais là, Mila Jérusalem présente ça. Mais ce truc-là, verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux. Dis-moi comment choisir. Vous trouvez là? Verset 14, il choisit parmi les nations, il choisit le peuple de Dieu. À ça, il choisit les banquiquens qui parvient à l'église. L'église en tous là, il gagne du mal, comme dit Gosé. Une confusion. Les banquiquens, un juif, ça, c'est un pharisien, il apporte une fausse doctrine là-bas. Ben, on a de la confusion. Quand on a de la confusion, quand on abandonne bon Dieu. Répétez-moi là. Alors, il parut bon, on se rapporte aux anciens et à toute l'église de choisir, Dieu va être moi choisir, parmi eux, et d'envoyer en tous. L'église a une question de mal arrivé là-bas. De la confusion. Pas bon, ben, pour choisir, pas bon, ben, délégué là-bas. Paul, bon, là-bas, c'est bizarre, allez. Après, il y a un autre qui met. Qui met après? Jude, appelé. À la base, à Bassa là, on doit être frustré. Il est pas frustré. Il n'est pas abandonné le Seigneur. Non, bon, tu connais que ça choisir, mais il y a un autre travail, il est perdu. Comment est-ce que tu es frustré? Abandonné. Vous pouvez prier, il n'y a pas de miracle là. Qu'est-ce que tu as un miracle avant moi? Vous pouvez prier pour un père souvient, mais il y a un autre côté gauche, donc je vais attendre sur le droit de venir. Il a dit, il a abandonné à cause que la prière est tordée. Bon, c'est pas tordé, il y a ce moment qui choisit à lui. Quatre jours, ça a décomposé. Jésus-Christ vient ressusciter. Et n'importe quel moment, bon, c'est fait un miracle. Continue quoi? À la base, ça passe à la bonne famille. Il a dit, Jude, ça met du chiste, choisit à lui comme délégué là. Jude appelé Boss à base, et si là, qu'est-ce qu'il mettait? Homme considéré. Si on a un bien, il y a une colonne dans l'église. Fais-moi confiance. Une colonne dans l'église. Homme considéré entre les frères. Il est chargé d'une lettre ainsi conçue. Et quelle lettre? Les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antios, en Syrie, Cilicie, ça passe partout là. Il y a plein de désordres partout dans l'église. Il y a une fausse doctrine, il y a une confusion. Ayant appris, écoute bien verset 24, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun autre, même d'autres, aucun autre, tout ça le porte d'eux-mêmes. Vous êtes troublés, tiens avec moi troublés. Parlez ces personnes troublées où? Par ma parole. Et je peux suivre la Bible là? Pas toujours troublé, pas qu'on est entendu. Pas que c'est un téléphone, pas qu'on est toujours trouble, un trouble. Non. Réfléchissez ça. Par le discours, et on ébranle vos âmes. Et des mots bien faux là. Ça va un pharisien qui le fait, il trouble les autres, il ébranle les autres âmes. La pique, on est qui bout de poudre rapide. Quoi dans ceci, pas quoi dans lui. Retourne dans nos religions, et il me fait cause la parole de Dieu là. Vous connaissez comme les cailles là comme ça? Vous connaissez comme les cailles là comme ça? Vous pouvez quoi inventer là? Grand matin, vous pouvez prier, Dieu rappelle-moi. Aussi, l'Ika Mouaoul. Grand matin, bon, tu me rappelles. Bon, tu me rappelles-moi. Père, attends, l'église, vous pouvez. Ben, un frère peut causer. Un frère peut raconter. Viens, il m'a rêvé toi hier soir. Vous pouvez écouter là, moi. Je raconte un tête rêve ça. Sa frère là, son figure décomposé. Et il y a quelque chose que tu peux raconter. Je raconte un rêve, je m'en rêve toi. Raconte un tête affaire. Frère là, abandonne l'église, tu connais ça? Moi, je vais vous dire son nom. Si je vous dis son nom, j'ai encore des amis pour connaître celle-là. Je suis là-bas avant nous. Frère, abandonne, c'est pas comme moi qui habite l'église. Parce que bébé, ça ne c'est pas comme moi. Il est troublé par sa rêve, ça qui vient de raconter. Mais bien, le bon discours, bonne parole. Et moi, je vais vous dire la parole de Dieu là. Où elle branle du monde là. Et branle son âme, sacouille son âme. Vous avez une bénédiction pour les autres. Parce que qui sont racontés. Alors, ben, là, vous êtes là-bas. Troublés par leur discours et branlés vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis, tous ensemble. Après, qui mettait après? De choisir. On dit que ça me choisir, il vient encore. Verset 22, choisir. Verset 14, choisir. Verset 7, choisir. Non. Vous pensez le propre détail, plus. De choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de Saint-Jésus-Christ. Alors, verset 27 qui m'était là. Verset 22 mentionne ça, là, Jude là. Alors, il mentionne son nom encore. Jude. C'est bon, ça basse là, ça. Pas bon, la basse. Bon, la basse avec Paul à part, elle ensemble là. Et là, Paul avec bon, la basse perlé. Et puis, après, la basse à basse perlé avec Silas. Tout ensemble, de pétanement là. Puis, le père ensemble, là, même délégué là.
Pas l'encouragement, pas le relève, pas le relève des autres, pas le relève des autres, pas le respect aux autres. Là. Nous avons, ben c'est, nous avons donc envoyé Jude et Silas. C'est pour ça que c'est le commencement. Chapitre 1er, peine choisir lui, choisir Matthias. Qui arrive à bon sabbat là? Pas tant de mentionner lui du tout. Ça, avec des apothèses qui mentionnent lui là. Il est encore là même. Il a un travail spécial pour le faire là. Pas l'encouragement qui vient là. Et d'autres pour trouver, il y a un prophète qui procure la parole de Dieu. Ça, tout le monde est là. Nous avons donc envoyé Jude et Silas. Qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Mais qui même chose? Parole de Dieu, pas voyant une lettre de la bonne famille, pas écrit, lettre, pas écrit à ça, mais pas aux paroles avec lettre de la mort ensemble. Il a dit, il est écrit. Mais qui vous pouvez dire où? Ça qui n'écrit. Qui vous prêchez? Ça qui n'écrit. De leur bouche pour causer, ça qui mettait dans lettre là, ça même doit vous dire. Quand la rive, qu'est-ce qui mettait? Quand la parole bon au Saint-Esprit et à nous, vous êtes d'accord ça? De vous imposer de bien d'autres choses que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des biens sacrifiés aux idoles, parce que c'est pas rien ça, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, un truc qui est mal propre, la vie impure, ceux contre lesquels vous vous trouvez bien de vous retenir en garde à Dieu. Nous terminons là, ma femme. Verset 30. Et donc, ayant pris conseil de l'Église, et là qui c'est le matin, Paul, non, la pécose, Paul là, Paul, Barnabas, Barsabas, avec Silas, quatre personnes parallèles. Ayant pris conseil de l'Église, ben délégué ça. Ça nous a fait ce travail-là, ici. Allez à Antioche pour remettre la lettre à la multitude de l'Assemblée. Une lettre, ça. Verset 31. Après l'avoir lu, écoute bien ce qui est arrivé là. Les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle a porté. Ou bien encourage les autres, pas aux paroles. Tu peux t'en la même famille? Confusion, une amie branlée, troublée. Là, on bien enlève le trouble là. L'âme a bien restauré, bien rafraîchie. Et quand est-ce que tu fais Philippe là? Verset 32, pour terminer. Jude, c'est une bosse à basse là. Il s'appelle Jude et Silas, c'est une justice, bosse à basse. C'est la même lui, qui était eux-mêmes prophètes. Les exhortés, c'est les prophètes. Porte-parole de Dieu. Paul de la part de Dieu. Les exhortés et les fortifiés par plusieurs discours. Ça prenait la bonne prédication, les vrais, pas vrai. Ben, l'enseignement là, à l'église. Là. Au bout de quelques temps, les frères se laissèrent en paix, retournaient vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, cela se trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeuraient en Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. La même. Choisir Matthias, ben choisir Barnabas, Barnabas la même. Choisir les plutôt à faire un travail spécial. Rélever, redresser, exhorter. C'est peut-être moi là. Choisir. Dis avec moi, bon Dieu, choisis-moi pour servir le Seigneur. Et servir le peuple de Dieu. Amen. Baisse la tête, nous rendre grâce avec parole. Baisse la là. Après, pour la Sainte-Anne, toujours, bonne famille. Merci Seigneur. Merci Jésus.